le sentiment de joie en fait. On est là pour assister au mariage de Daël. C'est pas donné à tout le monde, hein, au jour d'aujourd'hui qu'on vient t'épouser ta fille. C'est toujours bien un mariage. Deux personnes qui s'unissent, ça fait le bonheur de toute une famille. Le marié était très beau, très très frais, 1m80. L'homme est beau, l'homme est beau, l'homme est beau. Très belle cérémonie. C'est une formalité pour nous, c'est ce qui compte, c'est l'amour que j'ai pour elle et elle pour moi. Marié charismatique mais stressé même s'il le dit pas. C'est une formalité pour nous. Mais stressé même s'il le dit pas. C'est une formalité pour nous. On a été bien reçus, la cérémonie s'est très bien déroulée. On a tout donné, on est parti sans dette, mais vraiment, Chancel, c'est un bacala d'Yakuba. Encore félicitations, que Dieu vous accompagne durant toute votre vie à tous les deux et qui vous rende vraiment très heureux à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. Tout s'est bien passé et maintenant je prends ma femme et je rentre chez moi. Merci. Sabumbalula bwa mudisu kampe kani
Dekabo. Kuti belo cha bishi endamba duena. Noturi di. Ah, yeka. Batu mwini baturi di kuti belo cha bishi endamba. Yangana sape kome. Jamais. Bono botuta tala dekabo samu wishirina wa msayi. Samu wampe wa msayi. We should now. Ka ka mwamula lutu kiribo tutata la ludiechim luneki miongo lusabu kirinzari namasese dekabo lukana lemina beno meka tukantama. Beno kena kudiata, beno mekwiza. Akame mtu kutuba pasha. Beno mekwiza, beno mekuma. Na wala ya bishie ndamba. C'est le clan ndamba. Tout simplement parce que chez nous, la famille Nkuka n'existe pas. La famille porte le nom d'un clan. Voilà pourquoi on parle de la famille ndamba. Bishie ndamba. Ah, akatata biangana beno lufwa chikiri beno me fatigue beno ke na satwa masa na babwala ya beto na bwala ya beto beto ke kubwana kanzenza na masa mumamba tubwani na nka nzenza kembolo kwani enga sukulu echa enga sukulu echa matondo. Merci. Je voudrais vous remercier pour votre accueil, puisque c'est celui qui vient qui a dit. Moi, je m'appelle Jacques Bafoukanala. Je commence toujours par cette banalité qui est le nom, parce que le nom congolais ou le nom africain a un sens. Non. Hein? Il pense qu'effectivement, il faut avoir le même nom pour être des frères. Voilà. Et donc, chez nous, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, sous prétexte de modernité, ben, les enfants portent nos noms. Hein? Voilà. Je commence toujours par cette banalité pour faire la jonction avec la cérémonie de ce soir, qui est le mariage que nous avons l'habitude d'appeler coutumier. C'est un mariage traditionnel. C'est notre mariage à nous. Nous ne va pas à la mairie. Nous allons à la mairie simplement parce que nous avons été colonisés et que le colonisateur a voulu qu'on se comporte comme nous. Dès la naissance, tu le sais. Mais ici, il faut aller à la mairie, ben, parce que nous sommes. Il faut préparer nos arrières. Il faut que ma femme puisse avoir le même nom que moi. Et voilà, ben, finalement, de toutes les façons, je ne souhaite à personne. Quand est-ce que nous allons nous séparer ou qui partira le premier? On ne souhaite à personne. Mais il y aura quelqu'un qui viendra régler le problème de la succession. Voilà, je voudrais m'attarder sur ce point parce qu'il est essentiel pour comprendre la suite de cette cérémonie. Tate. Parce qu'il fait les enfants dedans. Alors que la plupart des oiseaux ont choisi de poser leur nid sur la cime des arbres. Mais lui, son nid est la voisine. Et donc, quand il vient, il rentre. Et sa troisième spécificité, il est très bruyant. Quand il rentre chez lui, il est très bruyant. Quand il va vaquer à ses occupations le matin, personne ne s'en aperçoit. Mais quand il rentre le soir, tout le monde s'en aperçoit. Et vous avez d'autres oiseaux, la nature leur a donné un bec crochu, dur, et pourtant, ce ne sont pas des gros oiseaux. Ce n'est pas comme le corbeau, mais c'est des petits oiseaux. Mais avec le bec, ça leur permet de tailler le bois. Ils taillent, ils rangent et puis ils nichent dedans. Et il y a d'autres oiseaux qui ont choisi de venir habiter, si vous voulez,
sur le taillis de la route. On est en train de construire une route et sur le taillis, lui, il vient, il creuse et il niche dedans. Et ça étonne plus d'un observateur parce qu'avec le bruit des voitures, et puis il n'est pas à l'abri, il n'est pas en sécurité. Donc on ramenait à la famille du Marc. Donc la nature est ainsi faite, chaque peuple a sa manière de se battre. Et chez nous, c'est comme ça qu'elle se passe. Tata, les cas brigands sont contents, ils ont un à Jingi. Tout à l'heure, il m'avait dit, ah, moi j'ai des problèmes, je ne sais pas parler Kituba. Mais moi j'aime bien les femmes qui parlent. Elles sont d'une tendresse, je crois. Chérie, Yinki Kwan. Nabunge Dia. Nabunge Yovila. Yovila n'est pas papa. Matondo. Matondo tata. Ah, moi t'es chandon. Eh oui, on ne vient pas, on ne rend pas visite. Tu rentres. Rien. Bras ballants. Non. Chez nous, dans nos sociétés, c'est pas comme ça. Lorsqu'on rend visite à une famille, on a toujours quelque chose à donner. Soit une bouteille de vin, soit des fleurs. Bon, vous verrez ça, un coq, une poule. Un sac de manioc, voilà tout ce que vous pouvez avoir. C'est le respect, c'est une société de partage. Oui, Kota Kunzobuko, Obubabuko, il a rendu visite. La première des choses, c'est de dire merci. Je viens là attester, c'est bien moi qui ai écrit. Parce que il peut y avoir qu'il y ait un intrus qu'on voit de la même femme pour moi. Et moi je viens dire que il y a Bimba, il y a Mambo, il y a Brika, il y a Twin. C'est un bon. Et quand. Ah. Matondo mamie. Parce qu'ils avaient envoyé une lettre. Et nous avons répondu. Ils ont demandé la liste. Parce que chez nous, dans d'autres sociétés, dans d'autres traditions ou dans d'autres pays, il n'y a aucune liste. Mais chez nous, on envoie toujours la liste. Et là, il vient de confirmer qu'il est l'expéditeur. L'éditeur et l'expéditeur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a écrit. Ce n'est pas une autre famille. Mais c'est bien personne. De cette femme, de cette fille, ou de cette femme que vous avez vue chez les Bishindamba. Parce que chez les Bishindamba, il y a plusieurs femmes. Et je voulais savoir la personne que vous avez, la femme que vous avez vue la dernière fois. Et celle que, pour laquelle vous venez. Même dans la forêt, chaque animal a son nom. Il y a le lion, l'éléphant, la panthère, l'antilope, voilà. Puis les oiseaux aussi, c'est la même chose. Voilà pourquoi ici on parle de biodiversité. C'est chaque chose à son nom. Je me suis très mal exprimé parce que je n'avais dit que le prénom. En pensant peut-être que dans leur famille, il n'y a que elle qui a ce prénom. Mais ce prénom peut se retrouver aussi chez nous parce que ce n'est pas un nom.
Et Ndebeka. Ndebeka. Oh, béni, wow. Il a failli être un instituteur. C'est à cause de cela que tu as abandonné. Il a baissé depuis longtemps. Le bateau a quitté Pointe-Noire, il s'est levé à Guinkala. Je ne sais pas comment il a fait. Et donc, en matière de géographie, c'est compliqué. C'est un peu comme les mariages qui viennent. Allah vous manzole, papa bongue l'enquête. Bongo la kento nwo bagani naka mbongolo kento la madlabuma nzole tat. Si ça, si vous avez accepté cette liste avec le premier vin, le deuxième vin, ni mozolo tat. Kalweketi moneka ko. Kalweketi moneka ko tat. Kalweketi moneka ko malabuma ntete na manzole kalweketi malana. Chikulu cha betoni buna chena. Kuna kwa yende la kwa Congo jusqu'au Cameroun, à Douala. Ils ont trois étapes. La première, la deuxième et la troisième étape. Talati étape, si vous n'avez pas franchi ces trois étapes, la femme n'est pas mariée. Tata, Wamunga. Tu vois, Tala Saboula Tata la Yuka. Ben, on ne va pas tergiverser pendant, parce que sinon c'est vraiment un dialogue de sourds. Très cher papa, permettez-moi de me retirer avec les miens. Juste pour deux secondes, ben, deux minutes. Heureuse, avec toi j'ai le meilleur, tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Tu m'as dit toi c'est moi. Bébé je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour. Vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody gokate. Depuis le ciel c'est scellé. Mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, l'homme de ma vie, mon amour à jamais. Depuis toujours, je t'ai voulu. Je ne vais jamais te laisser. Il y a eu les bâtiments qui sont là. Symbole de générosité, mais il faut que la casserole doit s'asseoir. Elle doit s'asseoir comme le mariage. Quand la fille ira dans son ménage, il faut que le ménage soit assis. Donc chez nous, le chiffre 3 est très important. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go gâté. Depuis le ciel, c'est scellé. Ça, c'est le vin de palme. Le vin d'Amzan. Et là, c'est le droit de bouchon. La première étape, la deuxième étape. Vous allez remarquer qu'on va sur 3, on a le chiffre 3. Et on a aussi 3 familles de, je dirais, des présents à donner. Oh, voilà, des choses. La boisson, la première étape, les présentations, deuxième étape, les fiançailles et la dot. 3 étapes. On a aussi 3 familles d'objets. Ce sont les boissons. Les objets, les présents.
du mariage et la dot. Malavou, Njende, Nanoupe, les biens habitables. Allez, laisse ça. Viens, tata. Il y a même tu veux ça? 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 Tu Normalement, je suis tout là. Moi, c'est pourquoi je n'aime pas parler français quand je suis devant ma mère. À chaque fois que je parle français, elle prend le mot et elle l'utilise autrement. Et vous, quoi, Antjekas? La première étape et la deuxième étape, ça, hein, 20 sur 20. C'est comme ça. Mais 20 sur 20, c'est du tout. Tu vas katouri. Gati binou qui n'est pas. Gati tamana binou qui n'est pas. Emma Kanye. Emma Tobike. Emma. Ma. Emma ne. Beto katouina na bushitu ko ka. Bishinda amba bushitu wa yoka wa bwing. Mubongo chi. Beto tu fwetu. Lugwana na bushitu wantu. Ta. Nibon tokolo bonga. Yai. Ok. Mubushitu wa tata u ba bore ba mubushitu bo wa ta a mutuli ya ambe kubandi faza kontrola ya safe CEO bika bika c'est tout le processus éducatif de l'enfant. Des objets, des choses qu'on ne peut pas trouver ici. Et ce sont des symboles. On ne va pas exagérer. On n'ira pas, on ne va pas demander des sommes extravagantes. Non, ce sont des symboles. Bidimbo. Et ce sont parfois le mariage coutumier basé sur la compensation. Tata, dans ces listes, il y a plusieurs objets, notamment dans nos mariages, il y a beaucoup de boissons. Et souvent, quand nos amis arrivent, nos visiteurs disent « Mais est-ce qu'ils vont finir tout ça ?» C'est simplement parce que là où les gens se rassemblent chez nous, il faut qu'il y ait de la boisson parce que c'est un facteur de convivialité. Voilà. Là, je venais de lui donner une petite enveloppe parce que symboliquement, le père demande une part dans ce silence. C'est la partie de ce non. Quelles que soient les intentions que tu as, Django va t'attaquer au Kazu. Kangazu. Kangazu. Kazu. Donc vous avez dû remarquer que dans cette liste, il y a beaucoup de choses. Il y a de la boisson, il y a des choses symboliques. Et puis, quand on vient chez papa, c'est le costume. Dans toute la partie sud du Congo, il n'y a que le père qui porte le costume. L'oncle ne porte pas le costume. Mais quand vous allez dans la partie septentrionale du Congo, vous pouvez vous retrouver avec trois costumes. Le père biologique, le frère de papa, le grand frère, notamment l'aîné, et puis le frère de la sœur. Voilà. Et puis chez eux, dans la partie nord, il y a quelqu'un qui est assis là, qui reçoit les présents de la dot. Mais dans la partie sud, non. C'est pour vous dire que même dans la partie sud, il y a beaucoup de particularités.
Tata. Eh, tata. Ah. Et quand ben tata nous bichi. Ah, tiens. Ah, c'est... Oh, Seigneur. Oh. Ouh. Oui, quand ça vient, c'est comme ça. Oh, tiens, oui. Oh. Oh, tata. Parce que moi je pensais que c'était les costumes de sarcelles. Et à sarcelles aussi il y a beaucoup de costumes là. Mais celui-là, ce n'est pas un mieux. Aux zones à côté Amazon. C'est donc le costume qui part. Hey, c'est un costume qui part. Oh. Mais tu vas m'excuser. Ah, regarde, tu vas y Et là, vous tombez dans un couéchi. Et à ma bouillie. Ah. Et ça, tata. Maton. Il m'a dit que même au pays, parfois, ils n'expliquent pas. On demande aussi les où, les machettes. Tout simple, je l'avais déjà expliqué, nous sommes dans une société de compensation. Dans la société, c'est une société Congo, c'est une société où les femmes travaillent, artisanales, où qui travaillent, les femmes travaillent dans les champs. Et une femme qui s'en va, ce sont des bras qui sont bons. Donc pour compenser, on demande les ou et les machettes. Voilà, c'est une compensation. Est-ce que l'anglais est là? Quelle info? Eh. Ah. Des machettes. Eh. Des manchettes. Des manchettes. C'est pas des machettes, des manchettes. Maton d'Ota. Ah, la fameuse ceinture. Vous ne pouvez pas offrir un costume à votre beau-père sans la ceinture. Parce que ce soir, il n'y a que lui qui sait ce qu'il ressent. Parce que ce soir, il va se pavaner dans son quartier. Il y en a qui disent on ne marie jamais les filles ici. Mais quand vous lui offrez un costume, il faut une ceinture. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Le pantalon va chercher à tomber, mais donc il faut. C'est une bombe. Ah, on a une bonne place à tata. Hein? Ma diata. Et manque de camarade. Hein? Ha! Tala ma diata ma kalouti. Chaka bagiri mambou. Tala mambou ka bagiri ma diata. Il faut bien regarder parce que la dernière fois, on nous a donné les mêmes pieds. Eh. Voilà. Ma diata. Ma ton d'ota. Mambou. Eh. Ma ton. Chaussette. Mato. Il y a qu'un bonus quoi. Et quand? Et il faut qu'un sauvage. Et bien, tata chaussette. Les chaussettes ne se portent qu'une seule fois. Quand tu mets aujourd'hui, ne reviens pas demain. Il faut les laver.
Hein? Donc lui il a pensé à tout ça. Ah bon, car... ah oui. C'est pourquoi il y en a deux. Eh, y a bien l'ombre violé. On peut cacher notre tête. Amen, côté de Mouka. Ah, Kassama, quoi ça? Côté à Guambi. Eh. Grand alors, chaussettes, les chaussettes. Ah d'ailleurs, Yaka. Eka bille, eme bille ko biema ko elaga biwaka. Kumbwandi moya paka chancel les chaussettes. Uh-huh. Alors chancel les chaussettes. Oui papa, j'arrive. J'ai failli oublier quelque chose de très important. Tout à l'heure c'était le costume. Ce n'est pas parce que vous venez me demander ma fille en mariage et qu'en échange vous m'offrez un costume. Ce n'est qu'une reconnaissance vis-à-vis du père parce que c'est lui le géniteur. Voilà. Et là, c'est le sel. Il y a des gens qui doivent se demander pourquoi on demande le sel. C'est du sel de cuisine. Le sel, c'est le symbole du goût. C'est par le sel qu'on juge la capacité d'une femme à tenir un ménage. Parce que Talazébi, là en bas, c'est bon, c'est le juste milieu. Mais si elle ne sait pas préparer, elle en met trop, c'est immangeable. Ben, si elle ne sait pas en mettre, ça devient fade. Et au fur et à mesure, le mari va trouver une raison pour ne plus manger à la maison. Il y aura toujours des anniversaires à son boulot. Ah, il y a l'autre qui est retraité qui est parti. Ça, c'est mon one one. Maton. Après. Ah. Il y a un autre canne. Ce sont des symboles parce que on voit de plus en plus dans les mariages, on demande des choses parfois extravagantes. Non, ce sont des symboles. Bidimbu biena. Eh, bidimbu kwa bien. Nibio bisa longo. Le père ne s'enrichit pas parce qu'on a épousé sa fille. Parce qu'on lui a donné la. On a doté sa fille. Non. C'est une fierté. Ça, c'est les pannes. Mais ça, ce n'est pas de mon ressort parce que les pannes des femmes portent un nom. Ma mère a failli partir de chez mon père. Il a failli se séparer de mon père à cause d'un panne qui était réputé à l'époque. Mon mari est capable. Mon père avait tellement tardé de lui offrir. Il a failli aller chercher le patriarche pour régler le litige. Tata, il a tel coup. Ça, c'est pour les tantes. Parce que l'éducation des filles en Afrique est confiée aux femmes, aux tatas. Comme je l'ai dit, c'est une société de. C'est une compensation. C'est pour honorer ces tantes. Mais en tata. Et quand maman, t'as dit tu peux gâter parce que a dit mais quand on a pas ça. Mon bon goût, tu vas tenter, mais ben ni baba que toi, ben à ta Paris, y a dingue ni baoué. Mon bon goût, à ta Paris, y a dingue ni ba tenter. Mon femme, quand tu y es, quand tu as vu ce qu'on a moi, tu vois, femme, quand tu as ici, là, y a carré, y a la capoué. Ah, ça. Boulandé. Eh, t'as les noms, quoi, mon bon goût. Gouremia. Gouremia. Y'a dit là, on va venir à Sukuru là. Il y a un sugar limon. Mais j'ai hésité parce que chez les femmes, tout est compliqué chez les femmes. Il y a quelqu'un qui a écrit non pour ça pour un manque de cas. Ah, quand il va, quand il madame ou de quand il vient de tout bon. D'accord. Tat. Lélé ou maman. Amen ou mien, bien, 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 b
Kamba kiri abioko. Ah, eh. Nous m'envoie na le collier de maman. Kassama, ouais. Na biobia na sanga na lunga eh biobia ba fu ana kinte de chama na sasa na sushi. Oh yeah, her my lover, saka ni mama, donne moi ta main. Je t'aime, Libala, Libala. Libala, mamawa. Libala, mama. Monsieur le maire, oui, j'ai le vœu, Nalingi. Faisons une prière, remercions le bon Dieu. Unis pour la vie, faut plus prendre la tête. Mettons tous nos invités à l'aise dans la fête, mawa. Personne ne sait ça, ouais. Seule ta mère pour soutien dans nos combats. Tu m'as changé, fait de moi l'homme que tu rêvais. Pour moi tu as tout affronté, bébé, c'est bien pour ça. Je ne t'ai pas lâché, mi amor. Pour toi l'amour n'existait pas, tu as fini par m'accepter. Quand tout le contraire je te l'ai prouvé, Libala. C'est pour ça qu'aujourd'hui je te ramène devant le maire. Car c'est avec toi je vais vivre le meilleur ou la misère. Ta joie sera ma joie, ta souffrance sera ma souffrance. Le pacte ne peut être rompu depuis que je t'ai passé l'alliance. Personne pourra séparer notre union, ouais. Toi et moi c'est jusqu'à ce que nous mourons. Toi et moi c'est jusqu'à ce que nous mourons. C'est bon. C'est beau. Ce sont nos amis. Hey. Ils sont toujours avec nous. Voilà, c'est la famille. C'est la famille. Tout le monde est famille. Voilà, faites partie de la famille. Et pour qu'il te confie à un autre homme, je l'avoue qu'à côté de moi, car il est sur le Fukama, faut-il Fukama? Nous avons un peu de temps. Fukama.
Voilà, c'est le moment essentiel de cette cérémonie. Voilà. Parce que le premier homme qu'une fille quitte, c'est son père ou son oncle. Mais avec celui-ci, elle a des liens biologiques. Il faut que le père ou l'oncle coupe le cordon ombilical pour qu'elle aille rencontrer un autre homme avec lequel elle fera des enfants. Et vous allez voir qu'ici, le verre ne fait pas le va-et-vient. Le père ou l'oncle ne trinque jamais avec sa fille ou avec sa nièce. On peut supposer qu'il a beaucoup d'enfants ou de neveux ou de nièces et qu'il doit sauvegarder son autorité. Il n'y a pas de fille à papa chez nous. Tous les enfants sont considérés à égalité. Mais la femme ne prend jamais la dot d'une autre femme parce que nous sommes des Bantous. Le frère ne prend jamais la dot de sa sœur. Sinon, il est mandaté par la famille. Ça veut dire qu'il va par dérogation, c'est qu'il va rendre compte. Tous les enfants sont considérés à égalité. Mama, malavuma, mbungu ya malavu yinu kuna chini ni? Mama, mbungu ya malavuma ni kuna chini ni? Qui symbolise la coutume. Ama lavuma za kuna chini manchi? Mama kwe la mameno. Ndijimanu wa niluka moko? Ndijimanu wa kuluka moko. Ndijimanu wa kaniluka moko siru wena? Lendimanua kuluka moko. Sio weke ndendumanua mmekweza kalamu moyo parce que beto bishi ndamba malafu moyo mazakala. Kani luka moko? Très sûr, kuluka moko. Ninu anje kama ni wabubu. Ka? Kani luka anji mmo yu makweza kala. E tata nwa kwafu. E mama nwa kwafu. E mama nwa kwafu. E mama nini. E mama slafe. E mama nwa kwafu. Mata matondo. Matondo mami. Kulu tonda babu. Chimbonga tela masa. Bonga moko mamu tela masa. En tout cas, tu me le tournes d'abord bien. Je suis ravi pour le geste que tu es arrivé à accomplir. En tout cas, voilà, pour aujourd'hui, je te confie ma nièce, dont tu prendras soin d'elle. Donc moi, aujourd'hui, je n'ai plus la responsabilité sur cette. Donc tout revient sur toi et c'est toi aujourd'hui l'homme, c'est toi qui vas diriger sa vie, faites votre vie aujourd'hui. Merci. Comptez aujourd'hui. Ben, je t'assurerai, je l'aurai cette confiance. Merci. Vous avez vu, ici le verre n'a pas fait le va-et-vient. Cependant, ici il fera le va-et-vient parce que désormais, toute leur vie sera dans ce verre. Il me bat un mot. Un mot vert, mot. Quand il faut que la manne s'en. Maman, là le verre, il y a un nuika. Ramanima, bakalampeku, nuikini. Avec un mot d'amour. Ma papaye, ma grenadine. Chérie, il y a un petit nom. Moi, je suis un peu.
Vous avez entendu? Chou. Le petit nom c'est Chou. Hey, avec un peu, allez, avec un nom dans un mot d'amour. Hey. Chou d'amour. Hey, what's your name? Chou d'amour. Je t'offre cette boisson qui symbolise notre amour. Hey, okay. Je t'offre cette boisson qui symbolise notre amour. Hey. Et que l'Éternel des armées continue de veiller. Cordoba ni riva. Ça va, il faut laisser. Voilà, après, faut laisser. C'est toi. À chacun son tour. Voilà. Et tu, avec un mot d'amour, s'il y a un petit nom aussi, toujours avec Washimba, voilà, toujours. Mais chérie, va tu à Matungulu, welcome. Hein? Tu peux parler même à Gituba. Hein? Ouais. Parce que Gituba, c'est bien. Ouais. Chérie Amounou. Bakale Amounou, chérie Amounou. Ouais, façon quoi, Andio? Alors, ma dulcinée. Ah, ma dulcinée. Ma dulcinée. Mon chou, chou mon cœur. Donc, là, je t'offre ce verre pour symboliser notre amour. Je n'ai pas besoin de t'aller les mots, dire quoi que ce soit. Tu sais combien je t'aime. Et là, je vais continuer à te chérir et t'aimer. Et là, je prends nos deux familles à témoin pour te dire que je vais t'aimer, continuer à t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Elle avait soif, hein. Elle avait soif, la pauvre. Oh. Elle avait soif. Voilà. Vous gardez votre verre et votre canette là. Venez vous asseoir. Un pas en avant. Kaka le bota nandi. Oh, un pas en avant. Oh, un pas en avant. Allez, bisous. Oh, voilà. Allez, c'est bon. C'est bon. Voilà. Le lundi, ça calme la poêle. D'ailleurs, tu disais au moins que j'ai gagné. Katulu tela me mingi comme bungoche, kamu pe finaman. Bayayo. Bukulu wanzari kaku na muntu go zebibo. Na zebibo la large de fleuve ou d'une rivière. Personne. Kuna kwa baba tikila me mingi. Miepuna, et la mingi peut bachiri traverser des épreuves pour en arriver là. Katuluana, malongi, mamalako. Mais pourquoi vous ne pouvez pas laisser? Kunga weko watanga tabatan. Baya baya yo. Yaditi. Kundi wazolo kongo, ikana wetete kulongo. Kendo atuna kaze bakandiko. Kundi. Wazolo Kongo, Waikana Wetete Kulongo, Keto Wazuna Kazeba Kandiko, Kamana Zeba Kuzanduke Le, Kazeba Kusaluke Le, Kende Kumamba Kazeba Kandiko, Kundi Wazolo Kongo, Waikana Wetete Kulongo, Keto Wazuna Kazeba Kandiko, Kundi Wazolo Kongo, Kento wazuna kazeba kandiko. Nkundi, Kongo c'est quoi?
la signification de Congo. Congo, c'est la paix. Congo, c'est la paix. Mama, Kalitani Andako. Katutani Andako. Quand j'officie ces mariages, Kunga Wekoni Tanga, Wantan Saï, c'est une parole de Njomo Kenyatta. Njomo Kenyatta fut un président, le président kenyan. Il prononce cette phrase, il l'avait prononcée le jour de l'indépendance du Kenya. Et elle a été reprise par Milia Bell dans sa chanson Nairobi. Lorsqu'elle dira To bandi bo mwana to tamboli Kenya mobimba ngai nayo Nairobi Mombasa Nakuru Kisumu to yebani Harambe Harambe On a commencé depuis la nuit des temps. On a traversé tout le Kenya, de Nairobi, en passant par Mombasa, Nakuru, jusqu'à Kisumu. Ce périple, si je peux l'appeler ainsi, nous l'avons fait ensemble, quelles que soient les vicissitudes. Et à la fin, il dit à Rambe, que la paix soit avec vous. Et Menuo, Msukini, eh, Manishi Kwari Miyombi Berina. Warning Bani Bangwankashi. Eh, Ya Aka, ah, les oncles. Ce sont les deux oncles. Et les autres sont des mamans. Webeto, mama. Mama, Nguri Bobo Ikwenda, ba mama, ba sala, ba mama ke. Vanda. Mais mami yina si yin buta yan me kwenda si elle n'est plus ba yin ke bikana kani ba ya ba ouve ba mama eh kwe beto tata kwa di fwa tata ka ba tata ka ba kwa ka avokata te ku fwa me ba tata ke ku fwa ve eh ya ngwangash ba onk ba yin akaka di ba mama yin ba yin metelo balu mwini benu metala bao Eh, ngati lumbu balu mona, aba ubo ba pisa munzo. Eh, Chancel, bata to mon talent. Eh, bobo ba kuiza munzo, moi vi nous yoda di beauté du ki ça. Nge fana ku passer ça. Eh, parce que fanti ku ba bwana, bu beauté. En jitu. A Congo njitu bata, bu jitu bu fati bawo. Ni bota mona ti o wa fieti wa kula. Bobo mwini ba mama, bobo kota a. Eh, buko makoni momo. Tata, tisonga bala mubunguti boba shiri kumanima. Bata, boba kaa obina, kini baso, baso ngende. Batela. Mekamu bampangi pe bichi. Le petit frère. Bela kabe nao. Ils sont en train de travailler pour Yaya Pouna. Kassamu. Bon, mettez la bango, ma bogo. Et gagnez quoi? Voilà, maman, enlève ça. Papa, il est. Tu vas passer avec papa? Non, moi, je papa, pas. La maman, elle a là-bas. S'il te plaît. Ces gens-là ne peuvent pas partir de chez toi sans manger. Mais de grâce, ne les amène pas au McDo. Ce n'est pas un restaurant gastronomique. Voilà. Donc c'est la maman.
Hein, c'est le maman et c'est le papa. Voilà. Et Yannou Tata, le même Kaleno Tata, le Manga, c'est mon gelade quoi. Il représente le père. Et comme il tata quoi. Il tata quoi. Et comme, même tata. Voilà. Là, tu commences le bois. Voilà, oui, maman. Voilà. Comme on est allé, on a tout voir, on a mon jeu là. Tu as tata moi, t'es. Tu peux. Oui, on est. C'est le chef de famille. Ah, maman. Voilà. Parce que nous sommes dans le Matiaka. Voilà. Toutes les sœurs de Chancel, levez-vous. Toutes les sœurs de Chancel. Toutes les sœurs de Chancel. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Wow. Tout le monde est là, ma bébé. Maman, tu as l'air de se. Il y a que des Brésiliennes dans ma famille. Ah. Matone. Allez vous asseoir. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Les frères de Chancel. Tous les frères de Chancel. Nous sommes là. Vous êtes là? Il y a un qui est à gauche. Les frères. Voilà, c'est bon. Bon, ben, quand ce sont nos amis, hey. Là, qui sont toujours avec nous. Voilà, c'est la famille, c'est la famille. Tout le monde est famille ici. Voilà, faites partie de la famille. Jules, voilà. Et bon, la bim, vous êtes bon, comme le bébé. Yesu na ye epa ino yo. Enga moko te Motona me mi hepa ina yo Mote me lingi ye Na ye biya zana ba faiblesse Ki me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Ki fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais na kouti hepa ina ye. Quelque chose de bien Ki m'attire tellement Sengyo sala yengolu bisika banda kikokwea eko ma point fort na ye moteme lingiye ye oyo olingo ndanga ye oyo nalota kyango na ndoto lo sambwe futi penga yo ye oyo kobombe sili ye oyo ata bambonge ye oyo e Elamba yango yo
za motu ya kona ngae osunga poto umela e oh 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 ye oh yo kona ngae oh yo na lota kya mbona ndoto e la kisa ko bomba te Adaba moye ye boyo Elamba yango yango Eglise kokoko Moto bomoni pembe nye Ndembu malo sambo nangay Nzambe ya pesi pengayo Oye bina lingi bino Ye bina lingi ye minde Aza motu ya konanga Bosambe la dupa mbamae Oh 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 ye yeah, oh yo oh. Olingo nanga ye yeah, oh yo oh. Nalota kiango nandoto ye yeah. Nosambe futi ye ah, yo La kisa kobo mate Ye yeah, oh yo yeah. Kobo mesili ye yeah, oh yo oh. Adaba mo ye yeah, ye yeah, oh yo yeah. Kote akende ye oyo ya kotikate ya lela ye oyo moto akolengela ye oyo nzambe ya pesi moto akomema na fami moto ya koyokela ye oyo mokolo na kovwa makaka ye moto nga na lingi ye oyo baninga boyoka ye moto bolukaki ye Ale kibango nyoso ye oyo Moto azeli sanga ye oyo Moto akopesa bolingo ye Ya kopokola na ye bana ye oyo Moto ya ba principe ye oyo Motema elingi Azawapi ye Ye oyo libusu nanga Ale kibango nyoso ye oyo Merci Jésus. Organisation, les choses se sont passées tellement simplement que ça nous marque. Et nous vous demandons également, et nous ferons également cet effort-là. Bien entendu, vous avez insisté sur la question. Vous avez dit que l'histoire est partie de très loin. Nous n'avons pas de conseils à donner à les enfants qui sont déjà là. Mais là où il y a des hommes, toujours, il faut veiller. Veiller, c'est quoi ? C'est regarder, c'est accompagner. Donc voilà les petits mots que je voulais dire. C'est en tout cas vraiment de vous remercier sincèrement du fond du cœur. Nous partirons d'ici avec une énorme joie. Merci. Merci. Bon, mettez la main, bon, mettez la main, bravo. Voilà. Non, même moi, je m'en Il est où le côté? Après le travaillement, bah, il faut arriver. Maintenant, c'est le mangement. Hein? Non, mais les bougies. Voilà. Dans les bas là. Dans les C'est bon, vous êtes prêts? Allez, maintenant!
Allez, on fait quoi? KFC, McDo? Allez, frites, cheese. On prend juste la truc et vous dites McDo, on y va. 1, 2, 3. McDo! Ouais, donc on met un peu, on met un sac daté, non? Ouais, ouais, sinon par ouais. Thank you.
Oui, tout ce que je peux dire, toutes mes félicitations à ma nièce Daël Nebeka. Si nous sommes là, c'est un jour spécial pour elle. Donc il était question qu'on puisse l'honorer, quoi. Elle ne doit pas baisser la prière, c'est tout ce que je peux dire. Mais sinon, la fête, c'était une réussite. Ça va, ça a été, on prend bien soin de nous. Merci. Maintenant, je dirais juste, nous, on est des amis de Chancel, donc des amis de longue date, hein, de l'école. Donc on est juste heureux, fiers de ce qu'il vient de faire, en fait. D'avoir validé hein, ce que... plusieurs personnes n'arrivent pas à faire, déjà, il faut le dire. Donc, c'est très bien. Donc, la suite, le 17, quoi. Le 17, la deuxième cloche va retentir. Encore félicitations, le couple. Je vous aime. Vive les mariés. Toi, tu sais, hein. Mariés, vive les mariés. Chancel, Daël, je suis très content pour la concrétisation de ce projet parce que vous savez combien vous m'êtes cher et vous savez combien je suis témoin de votre amour lorsque ça a commencé au Congo à Brazzaville parce que Chancel, pour moi, ce n'est pas un ami, c'est un frère. On a traversé beaucoup de choses ensemble. Donc aujourd'hui, père de famille, Daël, tu nous as donné des enfants. Lorsque Chancel est arrivé en France, j'étais là. Aujourd'hui, je suis content d'être toujours parmi vous, d'être des vôtres pour la réalisation de ce projet. Que le Seigneur vous bénisse. Nous serons toujours là pour vous. Et je suis très content, je suis le plus heureux de cet événement. Que Dieu bénisse cette union, quoi. Rendez-vous le 17. Donc voilà. Merci. C'est une fille pour moi, en fait, Daël. Mais les sentiments, c'est les sentiments de joie, en fait. On est là pour assister au mariage de Daël. En fait, Daël, pour moi, c'est ma fille. Je l'ai vue toute petite, je l'ai vue naître. Mais aujourd'hui, c'est une grande dame. Elle a des enfants. Donc, je suis là pour... on est là pour les honorer, en fait. Donc, on est très contents. Et je suis dans la joie pour pouvoir vivre. On était très, très, très émus pour... je ne sais pas, pour l'événement, en fait. C'est ça. Merci beaucoup. Mais elles sont bonnes. Parce que si vous avez bien suivi le déroulement de la cérémonie, les médiateurs, les Nzondi, revenaient sur un petit slogan. Ils disaient... Ça veut dire le mariage, c'est un événement heureux. Et donc, nos impressions ne peuvent être que bonnes. Voilà, on est heureux. Heureux pour les mariés et heureux pour tout le monde. Donc, nous sommes contents. Oui, bon, mais il a tout dit. Ce que je vais ajouter, c'est que personnellement, je suis très honoré. Ce qui importe, ce n'est pas le déroulement de la cérémonie, mais c'est l'union. Parce que je me souviens bien, il y a quelques années, j'étais parmi ceux qui étaient partis à Grigny chercher, se présenter. Et aujourd'hui également, je suis présent pour le mariage coutumier. Mais mon seul regret, c'est que le mariage civil, je ne serai pas. C'est ça qui me désole un peu, mais sinon tout s'est bien passé et nous nous sentons, nous parents, très honorés. Merci. Bah oui, hein. La première chose, je suis la maman de Daël. Je suis sa maman. Aujourd'hui, vraiment, c'est une journée spéciale pour elle. Je suis très contente d'elle. Franchement, elle est très contente de M. Nchomo qui a honoré ma première fille, Daël. Vraiment, leur union a commencé depuis longtemps, depuis qu'ils étaient enfants, depuis à Brazza. Qu'aujourd'hui, vraiment, il a honoré sa femme. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et ce que je souhaite au couple, vraiment de continuer, vraiment d'aller en avance, vraiment qu'ils progressent jusqu'à que le bon Dieu vraiment leur donne tout ce que vraiment qu'ils comptent faire dans leur vie. Ce que je veux souhaiter pour eux, le bonheur, comme toute une mère, ce qu'elle attend de ses enfants, c'est le bonheur. Vraiment, je suis très contente d'aller de ce que tu as fait aujourd'hui pour moi, je te jure. Et je remercie aussi à tout ce monde qui
qui m'ont venu en aide pour l'organisation. Vraiment, merci beaucoup. Et pour ma famille, et pour tout ce monde, pour mes soeurs, mes petites soeurs, pour mes collègues. Vraiment, merci beaucoup. Ah ouais, elle chante. Bali Saranabi Sokarato Bandi. Il faut qu'elle a Bali ça. Elle chante, lelo et lingo. Elle a beaucoup de maman, beaucoup les a pas si, mais lelo et si, vous n'avez pas n'angai. Lelo n'a beaucoup, n'a vraiment, moi, n'a eu vraiment que ami Mobani n'a mis sur l'angai, ils aient cinq. Beaucoup la passe, il y a un bon, mais lelo vraiment, c'est un bon pour la maman d'elle, pour n'aïo bisou, bisou, n'a papa n'chomo, bisou, bisou, n'a pas anabinouka, juste vraiment, c'est qu'on a seco. Bisou. Ah, tu dis quoi, maman d'elle? Bon mariage. Ah ouais, tu dis quoi, maman d'elle? Bon mariage. Oui. Alors, c'était une très très belle cérémonie et longue vie aux mariés et félicitations à tous les deux. Voilà. Non, félicitations à eux, c'est tout. Non, pas plus, félicitations à eux, c'est tout. De rien, et faites-nous une petite fille. Bisous. Très belle cérémonie. Mariée charismatique mais stressée, même s'il ne le dit pas. Très belle mariée. Très beau mariage. Introduction, développement, conclusion. C'était très bien. Moi, c'était la première fois que j'assistais à un mariage coutumier et franchement, c'était très bien. Et j'ai pu me rapprocher un peu plus de mes origines, on va dire. Une très bonne expérience, on s'est régalé, merci beaucoup. Je vais vous faire une interview digne de ce nom. Alors, bonjour, je m'appelle Christy Mwanga. Je suis la petite sœur à Monsieur Chancel. Et je suis très fière aujourd'hui de voir que mon frère s'est vraiment engagé auprès de la famille. Et plus tard, on espère une cérémonie encore plus grande que celle qu'on a vécue aujourd'hui. C'était juste extraordinaire de voir à quel point la mariée elle était belle. Le marié était très beau, très très frais. 1m80, l'homme est beau. Moutou. Désolée, mais sinon c'était une très belle cérémonie et on les encourage, on leur souhaite tous nos voeux de bonheur et de succès, beaucoup d'enfants. Non, c'est bon, on veut juste une fille. On a déjà 3 garçons, ça va. Voilà, merci, au revoir. Ok. Ah non, absolument pas. Il a été très courageux et vraiment je le félicite de tout ce qu'il a accompli jusqu'à maintenant, malgré tout ce qu'il a traversé avec Daël qui est la maman de ses enfants. Il a assumé jusqu'au bout et je suis fière de lui. Bah, c'était sympathique, c'était la première fois pour nous. Après, je vous avouerai qu'on n'a pas tout compris. Il aurait fallu un traducteur, mais non, c'était sympa. Et puis très contente et très heureuse pour Chancel et Daël. Voilà. Voilà. Bah, elle s'est bien passée. On est content d'avoir été invité, on a pu participer à cette belle journée. Et c'est toujours bien un mariage, deux personnes qui s'unissent, ça fait le bonheur de toute une famille. Voilà, donc ça s'est bien passé, voilà. Rien de plus. Attends. Attends. Ok, tu lances. D'accord, est-ce qu'on peut avoir vos impressions par rapport au déroulement de la cérémonie?
Mais tout premièrement, on rend gloire à Dieu, hein, qui est notre Père Tout-Puissant. Nous le bénissons pour tout ce qu'il a fait. Vraiment, tout s'est très bien passé. On a été bien reçus. Ben, la cérémonie s'est très bien déroulée. On a tout donné. On est parti sans dette. Mais vraiment, Chancel, c'est un bacala d'Yakuba. Nous n'oublions pas Papy Mazuka, XOR. Nous n'oublions pas Papy Kintiku et Papa Théo Ankaï. Je tiens déjà à féliciter les deux mariés, parce que ça fait un moment que je les connais, donc c'est une joie de venir ici et d'assister à leur mariage coutumier. Donc encore félicitations, que Dieu vous accompagne durant toute votre vie à tous les deux, et qui vous rende vraiment très heureux à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de vos vies, jusqu'à la fin de votre vie, voilà. C'est le meilleur qu'on leur souhaite. Merci. On y va, donc on veut quelque chose qui vient de votre cœur, quelque chose de... Comment, déjà la préparation, tu prends là, comment est-ce que vous avez préparé ces événements? Là, on parle pas spécialement de ça et ce qui vient en fait. Ouais. Comment est-ce que la préparation est? Bah, comme tout événement, les préparatifs, donc on va dire la partie cachée, c'est toujours délicat et compliqué. Voilà, ça faisait un moment qu'on attendait ce jour. Aujourd'hui, c'est un accomplissement d'une préparation en amont qui était très 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 compliqué avec la situation sanitaire que personne ne peut ignorer. Donc voilà, c'était une prise, parfois des prises de prise et décisions pour dire que on y va ou on arrête et tout ça là. Donc à un moment donné, l'amour a pris le dessus et puis on s'est dit on va pas être dicté par le virus, on va faire les choses, on a décidé de faire les choses, bon, on ira jusqu'au bout. Donc voilà un peu en amont ce qui s'est passé. Après, j'ai envie de dire que ça n'a pas été facile, mais une fois de plus, c'est ce que nous sommes ensemble, c'est ce qui nous a permis de surmonter toutes ces difficultés qu'on a pu rencontrer et puis de se dire on va y arriver. Aujourd'hui, on se rend compte que on avait raison de tenir et que ce mariage puisse se passer, quoi. Donc là, en tout cas, de tout cœur, j'aimerais dire là tout de suite à ma femme que je suis en tout cas très content qu'elle ait accepté que je l'épouse, parce que voilà, moi l'homme il se marie quand il peut, mais la femme c'est quand elle veut en fait. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je vais les marier, mais c'est elle. Si elle disait non, je pouvais pas. Donc le fait de dire oui, c'est beaucoup pour moi. C'est une chance que je puisse l'avoir à mes côtés. Et maintenant que j'ai l'honneur devant nos deux familles, je pense que c'est l'aboutissement d'une relation qui a commencé il y a beaucoup, 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 beaucoup d'années. Donc là, c'est un accomplissement. Et moi, je suis fier au plus profond, mais je suis plutôt content de l'avoir comme femme. Ok, madame, c'est très touchant. Là, il a tapé loin. Hein. Le même coup en retour. C'est comme il a dit, hein, les préparatifs, ça a été très dur, très compliqué, comme ça se passe dans les mariages. Et c'était chaud. Mais bon, on y est arrivé malgré la situation sanitaire. Ça a été reporté une fois, mais on a rattrapé ça. Donc voilà, et très contente du fait que Chancel m'ait honorée devant nos deux familles. Et que je veux que cet amour perdure à jamais. Donc du coup, là, quand vous voyez tout ce monde-là, toutes les familles qui sont contentes, qui sont heureuses, tout le monde, quand vous les voyez là, par rapport à ce qui s'est passé, notamment la situation sanitaire et tout, quel serait votre mot de conclusion pour cette vidéo? En tout cas, déjà, on remercie tout le monde. On remercie tout le monde parce que voilà, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. C'est dans ces moments comme ça qu'on reconnaît les vrais. Après, j'excuse aussi, il y a des absents, hein, qui sont excusés, voilà, pour multiples raisons, ce qui est normal, on les comprend. Mais ceux qui sont là, vraiment aujourd'hui, je les dis, merci de tout cœur. Et déplacés déjà. Exactement. Donc ils ont fait à ce que cette journée soit réussie et puis que ce soit meilleur. Donc on était content qu'ils nous assistent et puis on la remerciera jamais. Donc c'est passé dans la paix, dans la bonne humeur, dans la joie. Et tout le monde est heureux. Et nous aussi, on est très heureux. Voilà. Okay. Les stars de la cérémonie. Merci à vous en tout cas. Merci. Allez. Okay, on va faire un dernier truc. Je dis 1, 2, 3, vous dites rendez-vous le 17 juillet. Ah, c'est cool. Ouais. Comment vous appelez ça? Mariage officiel. Mariage officiel. Mariage officiel. Okay. Vive les mariés. Ok, on va faire. 1, 2, 3. Rendez-vous le 17 juillet pour le mariage officiel.
Merci. Rendez-vous le 17 juillet pour le mariage officiel. Pour le mariage officiel. Merci. J'arrive, baby.